RTL Matin. Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, Franck Ribéry a bien fait de ne pas partir au Brésil avec les Bleus. Oui, car on a enfin une équipe de jeunes sympas grâce à Didier Deschamps qui a transformé nos loubards en angelots à slip à poche. Deschamps voulut confier Copé, qui est aussi détesté que les betteraves rouges. En trois semaines, il leur fait un Cador, un Chirac 2.0 qui chope des veaux vivants pour leur boulotter la tête. Le seul fouteux dont l'image restait médiocre, c'était Ribéry. Bah oui. Un maisson d'eau l'a lâché, comme son cerveau l'a fait naguère. Il est dans l'état d'une table de chevet Ikea avant assemblage. Et heureusement qu'il n'est pas allé au Brésil, car il aurait tout fichu en l'air, tel Sarkozy dans un magasin de faïence quand il se met à frétiller comme une jeune dorade. En effet, on a appris que Francky la banane et sa femme Waïba ont porté plainte contre Closer, le journal à cause duquel on ne peut plus être célèbre et lubrique. Dans son numéro de vendredi, Closer affirme en effet l'existence d'une sextape impliquant Ribéry. C'est comme la sextape de Paris Hilton, mais avec un bonnet de soutif neutre. Alors, une sextape, qu'est-ce que c'est, me demanderez-vous, Bernard, vous qui incarnez des valeurs de sagesse, de pondération. Vous êtes le Jean Arthur de la FM. Eh bien, il s'agit d'une vidéo dans laquelle une star est filmée faisant tire-lits pimpons sur le chihuahua, parfois avec la tête, souvent avec les doigts. Dans les années 90, Pamela Anderson, la dame en polyéthylène, s'était ainsi filmée avec son petit ami, qui s'était assis sur elle, car il l'avait confondu avec un tabouret en plastique. Alain Delon, lui, ne l'a jamais fait, parce qu'il n'avait pas la place de ranger toutes les cassettes. Ribéry aurait donc été filmé dans un hôtel à Cannes avec une call girl. Bon, mais ça, ce sont les dires du magazine Closer. Que répond Ribéry? Eh bien, il dément. Il a dit, c'est pas vrai. Il a été entendu par la FFF, la fédération dont on ne peut pas dire le nom sans cracher de glavio. Il a dit qu'il ne s'agissait pas d'une call girl, mais de sa femme, Waïba. Un voyeur les a filmés dans un jacuzzi, en train de filmer l'accouplement des dauphins. S'ils avaient eu plus de temps, ils sautaient dans des cerceaux, c'est direction le Maryland d'Antibes. Or, personne n'a envie de se faire filmer durant l'acte. Bah non. Sauf les lions, parce qu'ils savent qu'après, ils passent sur la chaîne nationale géographique. Et puis, souci, d'après Closer, la partenaire de Ribéry en vidéo est blonde et mince, alors que Waïba est brune comme Dubenko et bâtie comme Merkel. Alors Ribéry répond que Waïba s'était teinte en blonde et je cite qu'elle sortait d'une cure de remise en forme. Elle avait minci. Enfin, il a réponse à tout. Si demain on le surprend avec un portugais velu, il dira que c'était Waïba qui avait gobé des hormones. Alors le couple, qui ne fera plus jamais de jacuzzi, c'est terminé pour se détendre et regarderont Gulli, n'a qu'une crainte, c'est que la vidéo sort. Il faut les comprendre. Voilà, c'est à cause de Closer qu'Hollande a arrêté le scooter. Il était obligé de livrer les croissants en patinette. Les Ribéry ont raison. Avec la guerre en Syrie et le clip de Carla Bruni chantant Renault, on voit assez d'images difficiles. Ouf, Bernard, on va peut-être échapper à un second scandale sexuel.